J'ai pas compris. Ok, bah, c'est juste un petit cauchemar. Yes. Mais qui elle est, elle? Qu'est-ce qui est fou dans l'histoire? Donc on a quatre personnages jouables dans ce jeu? Ok. Ok, on retrouve le papa. Le super papa. T'es un peu perturbax, mon vieux. Tiens donc. Tiens donc. Ok. Voyons voir ce qu'elle donne, cette lettre. Qu'est-ce que c'est? Je sens que ça va pas être Au pipou. son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Yes. C'est sombre, hein. Ok. T'as pas un petit billet là-dedans? Non? Ok, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. D'accord. Ok, un ticket, mais on sait pas. D'accord. Très bien. On dirait un ticket de consigne. Un ticket de consigne, c'est-à-dire pour récupérer une valise, un bagage, c'est ça? L'origami dans ma main après mon absence. C'est celui que laisse le tueur dans la main de ses victimes. Je n'ai jamais fait d'origami de ma vie. Cet ange sur le ticket de consigne, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Est-ce que ça se pourrait que ce soit en fait lui le tueur? C'est ça? Ça se pourrait? Bon, garde Cette à voir. lettre m'était destinée. Il doit y avoir une raison. Je suis le tueur aux origamis. Je commets ces meurtres pendant mes blackouts. Je sais que c'est moi. Est-ce que le jeu veut qu'on pense que c'est lui alors que non? Je sais pas. C'est pas possible. C'est pas moi. J'ai pas pu faire ça. Foutu journaliste. Ils font le siège de la maison depuis ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait à Sean? Je sais que c'est moi, mais je me rappelle de rien. Mais non. Je suis épuisé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Attends, ça peut pas être. Le jeu peut pas nous donner la solution comme ça. Hein. Pas possible. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On dirait une sorte de conte. M'étonnerait Si que le cette jeu lettre a un nous. rapport avec la disparition de Sean, je devrais la montrer à la police. Si j'ai fait du mal à Sean, je n'y survivrai pas. Je donnerais n'importe quoi pour savoir où est Sean en ce moment. Je crois que je sais d'où vient ce ticket. Je n'ai pas pu lui faire de mal. Je l'aime de tout mon cœur. J'arrive pas à me rappeler ce que j'ai fait pendant qu'il était sur le manège. On va s'en aller. Monsieur Mars, quelques mots, monsieur Mars. Restez, partir. Mars, vous pouvez confirmer que votre fils a disparu? Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui l'a enlevé? Je marche jusqu'à la voiture sans arrêt. Exactement. Monsieur Mars, quelques mots sur la haïtienne, s'il vous plaît. Êtes-vous inquiet pour la vie de votre fils? Est-ce que vous avez des soupçons, monsieur Mars? Vous savez si les enquêteurs ont déjà une piste? Votre fils a échappé à votre vigilance. Vous vous sentez coupable? Monsieur Mars, que vous pouvez confirmer que votre vous fils pensez que votre fils est encore vivant? Est-ce que vous pouvez me lâcher la grappe?
Est-ce que vous pouvez vous taiser? Sinon, je vous taise. Vous me zoulez. Déjà que je comprends pas moi-même. Arrêtez avec vos questions, là. Vous me zoulez. J'ai pas compris. What? Où suis-je? On est dans un... dans un aéroport? Dans une gare? Dans une gare? Ça me semblerait logique que ce soit une gare. Because les rails. Because... Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Ça me semble logique que ce soit plutôt une gare. Ok, phobie sociale, ok. Je vais pas y arriver. Si, tu vas y arriver. Trop de monde. Tu vas y arriver! Parce que c'est moi qui ai les manettes. Eh oui! Ah, c'est bon, moi. Ça suffit, hein. La comédie a assez duré, hein. Allez, respire, mon gars, respire. Oh là là, le monde s'est arrêté. Oui, très étrange. Papa ! Oui. Tout est normal. Jason! Oh là là. Je suis désolée. Jason! Jason! Où est-il? Ok, là-bas. Jason! Poussez-vous. Papa! Poussez-vous! Jason! Où il est? Où il est? Jason! Papa! Oui! Jason! Il a disparu le con. Il est où? Papa! Il est où? Jason! Ah, yes. Bonjour, je suis venue me faire ban pour être kit. Non, je te donnerai pas ce plaisir. Comme ça, tu... à jamais, nous ne serons pas kit. À jamais, tu es le papipou et je suis la pipou. Et à jamais, tu t'en mordras les doigts, Ibiki. Bon, je n'arrive pas à sortir de cet enfer. Laissez-moi passer. Ah mais d'accord, je dois passer le portillon, c'est ça? Bonjour. Rangée 18, casier numéro 3. Oh, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Ça pue du cul. Toutouni. Ok,
Je peux ? Oui, je peux. Allez, salut les nazes. Donnez-moi mon casier. Je vais avoir une tête dans une valise. Je sens mal cette histoire. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit ? Rangée 18, casier numéro 3. Rangée 18. J'ai 18. 18. Casier. Casier. Rangé 18. Casier 3. Oh là là! Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? À tout moment, on va trouver une tête, hein, c'est sûr. Ok, une boîte à chaussures. Bah pourquoi ? Une paire de chaussures, pourquoi pas ? Si c'est le coucou Zangdar. C'est le. Je pense que c'est ça, hein. C'est le tueur aux origami. Sa affaire. Coup de chance. Ok. Moi, je veux savoir ce qu'elle contient, cette boîte-là. Yes. Bon, là, on est dans un motel dégueulasse. On est chez lui. Je comprends pas bien. Oh, ça a pas l'air d'être chez lui, ça, si. Le pipi encore, hein. Encore et toujours le pipi. Yes. Non mais c'est bien de commencer par les bonnes choses de la vie. Ok, ça c'est fait. On va tirer la chasse, parce que c'est important. Et on va se laver les mains. On se lave pas les mains tout de suite, visiblement. Ok. Donc on se lave pas les mains du tout. Ok. On va regarder notre gueule. Parce qu'on est BG. Et on va ouvrir ça. On va prendre des petits cachetons. Non, on les prend pas. Ok, on les prend pas. Ok. La boîte. La boîte de la consigne. Qu'est-ce que je vais trouver dedans ? Une tête, c'est sûr. C'est sûr ! Yes. Merci Biki pour le follow. Est-ce que c'est moi qui ai placé cette boîte dans la consigne ? Je comprends pas comment c'est possible. Oui, c'est bon. J'ai compris maintenant. Parce que je suis con. Je baissais pas le bon volume. Ok. Normalement, là, ça devrait être mieux. Ok. J'ai pris une chambre dans le premier motel que j'ai trouvé. Mais pourquoi ? Pourquoi il n'est pas rentré chez lui, en fait, tout simplement ? Sean ? Un carton à chaussures. Quel rapport avec la disparition de Sean ? Est-ce que je vais y trouver... une main je sais pas, un membre ? Il faut que je l'ouvre. Je dois savoir. Un œil. Ok. Pourquoi je sens que ça va être gore ? On va... C'est clairement... un bout de Sean qu'on va trouver dedans. Hein. Je pense, hein.
qu'est-ce que c'est? Un gun? Un dictaphone? Ah, attendez, j'ai pas tout vu. J'ai vu le gun et le dictaphone, ça c'est sûr. Les origamis. Des origamis. Et puis? Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une cartouche de Game Boy. Et un petit jeu de Game Boy. Yes. Okay. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Garage et parking de Joe. D'accord. Ok. Ah, un téléphone, pas un dictaphone. Et ça c'est quoi? C'est quoi? Une carte SD? Au secours! Papa! Sean! Où tu es? J'ai très froid! Oh non! Papa! Papa! Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? Yes. 5 origamis. Chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres. Les lettres constituent une adresse. 5. D'accord. Attends, le gun! Oui. Oui, prends-le. Ne l'oublie pas sur la table de chevet. Oui. Cache-moi ça sous le lit. Et passe-moi le revolver.